Pinto. One again in the best of fly. Pinto. I win the world whole hell yeah. Pinto. Win the sink for the break, yeah. Press down. Pinto. On Jamaica, we hit the world. Pinto. Win the break, yeah, secret. Pinto. My legs win, success with me. Press down. Pinto, press down. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Je sais même plus si on s'était parlé, enfin si je vous avais parlé sur YouTube depuis les vacances. Voilà, bah, j'espère aussi que vous avez fait une bonne rentrée. Moi je vous avoue, c'est la débandade, j'ai envie de dire. Vous voyez bien, cette semaine j'ai pas trop eu le temps pour le GGA. C'est pas grave, c'est comme je dis, le calme avant la tempête des next gen. Et puis bon, on va quand même se faire des petits PPS par-ci par-là. Alors là je vais avoir qu'un quart d'heure, hein. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais... Quelques quarts d'heure, je vais essayer de faire vite. Donc voilà, bah, j'ai acheté le Rayman Legends, comme beaucoup, hein, comme Funky Sensei, comme beaucoup d'amis. Et puis c'est vrai qu'il est assez complet. Alors déjà, vu que je vais faire plusieurs vidéos, on va tout de suite voir ce qu'il propose. Donc ici, on a les créatures, vous rentrez dans le tableau, je vais essayer de mieux parler. Vous rentrez dans le tableau pour, voilà, en fait, vous gagnez... Hop, vous gagnez tout simplement bah, des pièces tous les jours, en fait. Vous devez gratter des tickets que vous gagnez à la fin des niveaux. Donc maintenant, c'est vraiment hallucinant. Rayman, tout ce que vous pouvez gagner, c'est fou. Et puis, bah, ces animaux se rangent dans une salle. Attendez, je baisse le son de la télé parce que ça va être l'horreur sinon. Hein. Voilà, hop, il y aura quand même le son, mais pas de la télé, ce sera plus joli. Et puis voilà, donc, vous récupérez des petits animaux qui, tous les jours, vont vous pondre des bonus à récupérer. Et puis voilà, bah, je crois que c'est tout simplement, là, ces bonus-là, ce sont des pièces. Enfin, des pièces, oui, des Electoons ou je sais pas trop quoi. Et ça vous sert à acheter des nouveaux persos. Alors, c'est un petit peu la critique que je vais sortir tout de suite, c'est les persos, il y en a beaucoup trop par rapport à ceux qu'on a envie de prendre. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans l'article, il serait préférable d'avoir... un perso différent, hein, celui qu'on veut, et puis qu'on le custom un petit peu avec les vêtements, les couleurs. Bref, ici, encore pas attaqué, parce que vous avez bien vu, avec Funky Sensei, la vidéo que j'avais sortie, on avait fini le jeu, on était allé jusqu'à la fin du jeu, c'est Rayman Origin. Dans le jeu, vous pouvez débloquer, dans Rayman Legends, vous pouvez débloquer tous les niveaux de Rayman Origin, donc ça, c'est super sympa pour ceux qui l'ont pas fait, et même pour ceux qui l'ont fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, c'est pour vous montrer tout ce qu'il y a bien. Nous, on ira là tout à l'heure dans les challenges. Hein. Le Kung Fu, donc ça se joue à plusieurs. On a fait une session hier avant-hier avec des potes en multi-console. Savoir que vous pouvez aussi jouer en ligne. Et voilà, bon là, je vais être tout seul. Hein. Le but, c'est de faire des patates et de marquer, hop, des buts comme ça. Voilà, donc quand tout seul, c'est sûr que c'est pas intéressant. Hein. C'est plus pour s'entraîner. Et puis, bah, après, vous pouvez jouer de 3 à 4, même à 2. Donc voilà, bon, on va arrêter là parce que... J'étais pas aussi bon quand on était à 4, ça, c'est clair. Galerie principale. Voilà. Les temps de chargement sont vachement plus écourtés que le Origins, je trouve ça génial. Donc, bon, galerie des héros, voilà, on va en faire un tour, mais il y a énormément de persos que vous pouvez choisir. Voilà, j'en ai encore débloqué un. On va aller le voir. Hein. Ah, non. Ça donnera l'occasion de voir sa tête. Hop, normalement, j'ai pas lui, j'ai... Le bleu, j'aime bien le bleu Rayman, il y a la petite histoire hein, au-dessus, quand on va devant sur le perso. Donc c'est sympa, l'humour est magnifique, hein. On verra dans les prochaines vidéos, bah tiens je vais essayer lui, il a l'air tout décousu, le pauvre. D'accord. Ouais, il y a beaucoup de clins d'œil, hein. Il y a des clins d'œil, je l'ai mis dans l'article de fois, Ocean 12, hein, avec la scène avec Vincent Cassel pour les lasers, tout ça, il y a des musiques, des niveaux en musique, mais ça, on verra ça plus tard, hein, tous les niveaux différents qu'il peut y avoir, le gameplay, donc voilà. Hein. Là, j'ai encore pas fini le jeu. Je l'ai acheté, je l'ai pris il y a pas longtemps, je l'ai pas pris dès la sortie, bah bientôt. Hein. Voilà, donc déjà, graphiquement, vous voyez déjà, rien que dans les tableaux, en fait, quand on je sais pas si vous voyez là, quand on passe devant, c'est en 3D en fait dedans. C'est-à-dire que, c'est que les détails comme ça, même dans les niveaux, vous voyez, il y a plein d'arrière-plans. Et nous, on va s'attaquer aujourd'hui au challenge. Je vais essayer, bon, je vais pas en battre, hein, je vais essayer de faire des bons trucs. Vous avez des challenges journaliers, bah voilà, là, d'ailleurs, c'est ce que je voulais voir, donc des challenges sur un jour, sur 7 jours, et puis ça, c'est des challenges normaux, d'accord, je me demandais pas si c'était sur un mois, enfin bref. Alors, le challenge journalier, donc ça, c'est des challenges que tout le monde peut faire en ligne, et le but, ça va être, bon, bah, d'être meilleur, de se placer avant ses amis.
et ou la planète, j'ai envie de dire. Ah bah ça c'est bien parce qu'on peut faire aussi les anciennes épreuves qu'on a fait les autres jours. Donc ça, je ne savais même pas. C'est parti, on va voir ce qu'il faut faire. Donc le challenge c'est génial parce que c'est ce qui vous incite aussi à aller passer même 10 minutes par jour sur le jeu, pas la peine de passer une heure. Vous avez des petits défis comme ça, donc récupère ces 5 minutes aussi vite que tu peux. Et bah allez. Alors, je vais pas trop parler parce que je me concentre à fond. Hein. Bon là il y a des pièces mais on s'en fout parce que le but c'est vraiment d'aller le plus vite. Hein. Ah non, non, ah oui c'est de récupérer les lumes aussi, donc non, forcément il va falloir que je me débrouille quand même. Hop. Donc vous voyez, bon, c'est comme le Rayman Origins, il y a... ouais, je les confonds du coup. Il n'y a pas de problème, c'est la même maniabilité, voire il est quand même beaucoup plus joli, ça c'est clair. Alors, déjà que c'était plutôt compliqué de faire quelque chose de joli, de plus joli, et bah ils l'ont fait. Bon, là on voit pas trop, parce que c'est un niveau défi, donc c'est assez bateau comme graphisme. Mais on verra dans les autres vidéos que les graphismes sont vraiment géniaux. Et ça, c'est vraiment un jeu à faire en hiver pour moi, parce que c'est... C'est un jeu à faire en famille, on peut jouer à 4 sur le même écran. Bon, je vous parle, j'arrive à rien récupérer, c'est pas grave, j'assume. Et voilà, un jeu à faire en famille, et ça c'est clair que tout âge, je peux vous dire vraiment que... Ah, salut Smokey. Je peux vous dire que j'étais... Eh ben voilà, record 1 minute 05. Bon, bah forcément, il y en a, ils vont faire 22 secondes, les meilleurs, pas de problème. On va déjà voir combien je suis. Et un enfant de... le petit gamme, un enfant de 4-5 ans, de 5 ans je crois, qui a eu cette année, qui joue avec moi ce matin, à Rayman, et à savoir que votre copine jouera avec vous, tout ça, c'est vraiment assez sympa, hein, la maniabilité de Rayman. Donc le top 10, on n'y est pas, ça c'est sûr. Mes amis, donc là il n'y a que moi de mes amis qui ai fait l'épreuve. Et de mon pays, je suis 1475e sur 1719. Alors... On va changer d'épreuve. Je vais vous avouer que je suis un peu meilleur lorsque je joue tout seul sans casque et que je ne vous parle pas, mais sans plus. Hein. C'est vrai que c'est très chaud. Puis il y en a, bah voilà, je vous montrerai à la prochaine. Allez, je vais vous faire plaisir. On va faire celle-ci. Voilà, par exemple là, si on voit ouvrir les classes. Non, c'est pas ça. Bon, on ira une fois dedans. Vous allez voir que les premiers, en fait, on dirait que... Enfin, c'est du cheat, quoi. Je sais pas comment ils arrivent à cheater sur Rayman, mais il faut reconnaître que c'est quand même pas mal du cheat, moi, je pense. Bon, on va déjà en faire un. Ah ouais, alors là, il faut aller le plus vite possible aussi. Hop. Voilà. Et dès que vous avez tout pris, le tableau change. Donc là, ça paraît super simple. Et je peux vous dire qu'après, c'est vraiment assez compliqué, quoi. Ah ouais, alors la musique de Rayman, ça on va en parler à chaque épisode que je ferai. La musique de Rayman est magnifique. Hein. Ils reprennent des musiques de l'ancien. Il y en a quelques-unes. Et les nouvelles sont vraiment grandioses. Alors j'aimerais bien, c'est possible à savoir quoi. Mais j'aimerais bien, s'il vous plaît, que la personne qui fait la musique soit plus mise en avant, s'il vous plaît, Ubisoft, parce que je pense que beaucoup d'ovations lui reviennent en fait sur ce jeu. Et voilà, je pense que c'est bien de faire connaître quelqu'un comme ça, quoi. Allez, on va essayer de se concentrer. Pour me concentrer, j'arrête de vous parler. Allez, hop. Un gros coup de poing en l'air. Dans le gameplay, il y a des choses qui auront changé, mais ça, on le verra plus lorsque je ferai les épisodes dans les niveaux. Enfin, ouais, les épisodes... Hop, oula. Allez, encore en haut. Hop, allez, dernier. Voilà. Ha ha ha. Non, ça c'est Mario. Hop. Ouh, punaise, le skill là. Celui-là, je l'avais pas du tout passé l'autre fois, je crois. Voilà, donc vous pouvez voler hein, dans Rayman. Hein. En même temps, là, j'essaie de m'adresser à ceux qui ont déjà joué à Rayman. Ceux qui n'ont pas joué, autant vous le dire tout de suite, commencez par le Origine. Enfin, commencez par l'Origine, c'est vrai que du coup, achetez celui-là, puisqu'il y a l'Origine. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, c'est fini. Bien joué. Parce que celui-là est beaucoup plus dur. Hein. Rayman Legends, il y a des fois, vous allez devoir gérer à deux boutons. C'est vraiment, vraiment chaud. Voilà. Classement. Alors là, on va voir si mes amis l'ont fait cette semaine. Normalement, oui. Ah bah non, même pas. Hein. Voilà, bon, je suis quand même... Bon, bah là, je suis presque vers la moitié, on va dire. Allez, 6853 sur 10 647.
C'est pas trop mal, en vous parlant, je suis assez fier de moi. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous, bah déjà pour vous retrouver, pour avoir le temps de parler, d'expliquer un petit peu par rapport à la rentrée et tout ça. Et voilà, donc les challenges sur Rayman, c'est aussi pour vous annoncer, bah on va se faire quelques séries, on va pas non plus spoiler le jeu à faire tous les niveaux, mais pour vous dire que c'est vraiment pour moi le meilleur jeu de plateforme auquel on puisse jouer, même depuis le début du jeu vidéo. Quelques personnes sont d'accord avec moi, j'espère que vous trouverez aussi une fois que vous aurez acheté le jeu. D'ailleurs, si vous l'avez fait, si vous le faites et que vous pensez comme moi ou pas, je vous invite à faire un petit article sur goodgameworld.com. Et puis, bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sur Rayman tombera mardi fin de journée. Et je vous dis ciao ciao et merci d'avoir suivi ce petit PPS, mais qui était bien sympa en votre compagnie. Moi, j'ai bien aimé.